Ça va, merci. Elle est grave belle, elle a grave de jolis traits. Machallah, machallah, machallah. Likez si vous êtes d'accord avec moi. Comment tu t'appelles? Tamara. Oh, en plus ça s'appelle Tamara, like Tamara, you know, like Tamara. Yes! J'aime trop, j'aime trop. Vous préférez avoir vos règles à la plage ou dans le transport? Ouh, question difficile. Pas dans le bus, pas dans la plage. Ah ouais, non, c'est un dilemme. Si on me dit de faire un choix entre les deux, vous allez choisir. Bah, transport, je dirais. Peut-être à la plage, hein. À la plage. Ah oui, personne qui nage. Oui. Vous deux, ah mais bien, je fais semblant que je nage, c'est tout. Après, j'ai dit, c'est quelqu'un qui voit le sang. J'ai dit, mais le sang, ça va. Oh. Je suis blessée. Voilà, je suis plutôt. Est-ce que tu préfères, c'est la question de dégaine, hein, avoir tes règles à la plage ou dans les transports? Ok, bonne journée. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec... Oh, donc là, je suis sur la chaîne de Dégame Pro. Les gars, comment ça va? Là, on est en Marseille. Eh, hey, il a l'habitude d'être à Paris, faire des micro-totoirs à Châtelet, machin, machin. Ce soir, là, ce soir, ou bonjour, ou bonne soirée, on s'en fout. Eh, hey, ça se passe à Marseille aujourd'hui. Là, on va faire un micro-totoir comme jamais, on va improviser ça. Donc, n'oubliez pas, likez, commentez, venez sur ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, on est ensemble comme jamais. Attends, des games. Là, pour le thème, là, t'as réfléchi ou pas? Bah oui, c'est un petit dilemme, là. T'es sûr? Alors, les filles, la question est spécialement posée aux filles, si elles préfèrent avoir leurs règles à la plage ou dans le transport. Des games, toujours avec ces thèmes, toujours avec ces... Ok, donc là on va relever le défi, on va aller trouver des petites Marseillaises, des petites gadjis, gadjo, tout ça. Allez. On est ensemble, let's go. Chercher les gens ou pas là? Bah oui, bien vu. Ah oui. Parce que là, ouais, vas-y, venez. Bonjour. Comment ça? Ça se passe à Marseille aujourd'hui. Hey, apprêtez-vous. Comment ça se passe? Ça va, tout va. Comment tu t'appelles? Myriam. Enchantée, Myriam. Est-ce que là, tu étais venue te promener un peu, profiter du soleil? Je me promenais. Est-ce que tu es prête pour la question ou pas? Ouais. Ça t'intrigue ou pas? Un peu. Pourtant, la question, elle est grave simple. Très, très simple. Mais gênante un peu. C'est quoi? Ah, là, je l'ai fait stresser. Est-ce que tu préfères avoir tes règles à la plage ou dans les transports? Dans les transports. Dans les transports? Ouais. Pourquoi? Bah à la plage ça craint. Pourtant moi j'aurais dit plage parce que la plage il y a la mer et tout. Ouais mais c'est sale. Ouais. Bah ouais. Mais personne te voit à la plage, ça peut passer pour moi. Oui mais si tu te lèves et que tu as du sang de partout et qu'on te voit. C'est le sable. On fait comme au bled, hein, on prend le sable en truc, hein. Ouais mais c'est sale. Et dans les transports comment tu fais? Mais j'essaye de rentrer chez moi et je me charge. Ouais. Mais là, les gens, ils ont quand même le temps de te voir, tout ça. Oui, mais on peut toujours camoufler avec un gilet ou quelque chose, mais à la plage... Ah, bonsoir, madame. Bonsoir. Alors dites-moi, aujourd'hui, c'est un petit dilemme. Est-ce que vous êtes prête? Allez, je suis prête. D'accord. Vous préférez avoir vos règles à la plage ou dans le transport? Dans le transport. Dans le transport. Ah oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? De quoi? Oui, mais tout m'est arrivé. Ah tout, ouais, tout dans la vie d'une femme. Genre il y avait le sang, les gens ils ont remarqué, vous êtes fait cramer. Ouais, tout. C'était ouais, pas gênant pour vous? Bah si, carrément, mais bon après c'est la nature et puis voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Mais oui, le pantalon blanc, ouais, tout peut arriver. Faites un petit coucou aux gens qui vous regardent là. Alors dites-moi, aujourd'hui c'est un petit dilemme, vous préférez avoir vos règles à la plage ou dans le transport? À la plage. À la plage? Mais direct. Direct? Bah oui. Mais c'est gênant, il y a des gens à côté et tout. Bah c'est pas grave, je vais dans l'eau et je me nettoie. Alors que dans les transports, il y en aura sur le siège, les gens ils vont voir, enfin c'est dégueu. Oui je vois, c'est dégueu. En tout cas dans le transport c'est vraiment... C'est pire quoi. Ah ouais c'est pire mais vraiment. Genre c'est un truc de ouf. Moi si ça m'arrive, franchement je me cache. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais interviewer lui et toi tu parles avec lui. On est d'accord ou pas? Arrête de regarder Dego. Il arrête pas de regarder Dego. Madame excusez-moi un instant. Excusez-moi s'il vous plaît madame. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que suis-je assez beau pour être votre copain? Très 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 beau. Waouh, je suis gâté là. Beau je crois. Ah ouais? Bon, on peut commencer maintenant alors. Alors une question vite fait. Moi je viens de Paris, je suis là juste pour vous les Marseillaises. Alors dites-moi, vous préférez avoir vos règles à la plage ou dans le transport? C'est un dilemme. Dans le transport. Dans le transport? Mais c'est chaud quand même dans le transport. Ah, bah la plage, c'est... C'est plus chaud.
Dans les transports. Dans le transport? Bah ouais. Ah oui, c'est pas gênant, c'est chaud par rapport à la plage, vous trouvez? Bah c'est grave à la plage, on est en maillot et tout, donc c'est plus gênant, enfin... Vous pouvez vous nettoyer hein, à la plage Ah non, c'est ça. Bah oui. Non, c'est sale. Ah, bon. Non, ah ouais, non. C'est sale. Ouais, non, non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de l'avoir dans le transport ou à la plage? Non, jamais. Jamais? Non. Bah on ne sait jamais, hein. Et si ça arrive? C'est comme ça, ça arrive. Hein. Tant mieux. On va prendre des précautions après. D'accord. T'es prête ou pas? Ça dépend. Est-ce que tu préfères avoir tes règles à la plage ou dans les transports? Dans le transport, je pense. Pourquoi pas à la plage? Bah parce qu'à la plage on a envie de se baigner et tout, alors c'est chiant quand on a les règles d'aller se baigner. Mais par contre, si vous êtes à la plage, le sang ça coule moins dans l'eau et tout, voilà. Ouais. Non mais je préfère les transports quand même. Par contre dans le transport, c'est gênant. Tu vois, les sons et tout, les gens ils vont remarquer et tout par rapport à la plage. À la plage les gens ils vont peut-être penser que tu t'es blessé. Je sais pas trop. Ouais mais je sais pas. Non. Elle reste catégorique pour elle. Ouais. Dans les transports. Dans le transport. Ouais. Bah transport je dirais. Dans les transports? Pourquoi? Juste comme ça. Juste comme ça parce que tu peux rentrer chez toi? Oui. Et à la plage? Parce qu'à la plage, moi je trouve qu'à la plage c'est plus facile. T'as le sable, t'as tout, t'as plein de trucs. Oui, mais à la plage je serai loin de chez moi. Ah ok, tu pourras pas te baigner tout ça. Ouais. Oh. Alors du coup, comment tu t'appelles? Léa. Enchantée Léa. Donc la question est un peu mitigée. Est-ce que t'aimes bien le suspense ou pas? Tu veux que je fasse le jury le suspense ou pas? Ouais, vas-y. Ah vas-y. Je redoute pas la question. Non, ça va. Non, ça va. Ok. Donc la question est la suivante. Est-ce que tu préfères avoir tes règles à la plage ou dans les transports? Dans le transport. Dans le transport. Ouais, dans le transport aussi. Dans le transport. Moi aussi. Pareil. Pareil. C'est pas un peu gênant dans le transport? Non, à la plage c'est le pire. Tu peux pas te baigner, tu peux rien faire. À la plage. À la plage? Oui. Ouais. Comment ça se fait? Pourquoi? Je vais dans l'eau. Personne ne voit rien. On est d'accord que dans l'eau ça coule pas. Oui. L'eau stop les règles déjà. Exactement. Et ensuite dans l'eau, ben personne me verra. Alors que dans les transports, tout le monde va me regarder. Oh. Je sais pas, à la plage? À la plage? Ouais, à la plage. T'es sûr? Pourquoi à la plage? Je sais pas. En vrai, dans les transports, si t'as une veste, tu peux camoufler et vite rentrer chez toi. Alors que si t'es à la plage, t'es dans la merde quand même. Du coup, la plage à l'unanimité? Non, en vrai, je dirais les transports. Les transports? Ouais, parce que t'es habillé, si t'as une veste, tu peux cacher. Presque toutes les filles nous disent dans le transport et tout. Et c'est oui, aussi ouais. Gênant quand même. Ben oui, mais bon, c'est plus simple, je suis habillée au moins. Bah, c'est pas vraiment pire, quoi. Non. D'accord. Ça va. Fais-moi un petit zoom. Y'a quoi, c'est quoi ça? Fais-moi un petit zoom. Vous m'avez vu ou pas? Là les gars, je veux un maximum de j'aime, likez à 10 000 likes. Si on atteint les 10 000 j'aime sur cette vidéo, je reviens dans la chaîne de Dégame et j'ai hâte. Likez fort, commentez. Je veux savoir moi aussi parce que moi je suis une meuf, tu vois. Je me dis, j'ai envie de savoir. Moi je pense que la plage c'est quand même plus bien. Mais il y en a qui pensent les transports, donc vous, mettez en commentaire et dites-moi ce que vous pensez ou vous préférez avoir vos règles. Et attends, il est où Dégame? Mais... Excusez-moi les filles s'il vous plaît, excusez-moi de déranger, bonjour. Non, je suis désolée. Excusez-moi s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser, je viens de loin. Une question pour YouTube, c'est un petit dilemme. Nous aussi on n'a pas l'air. Oh, s'il vous plaît, même les gars, les gars. Ah ouais, Marseille en tout cas c'est chaud, hein. À Paris c'est pas comme ça. Ah les gars, comprenez, je suis à Marseille, je suis pas à Paris. Bon, je me suis habitué à prendre des gens facilement, mais ici c'est chaud. Cameraman, let's go, on poursuit. Hello. Bonjour. Ah ouais, vous êtes très belle. Hein. Merci. D'accord, moi c'est Dégame, mais vous? Iliana. Alors dis-moi Iliana, vous préférez avoir vos règles à la plage ou dans le transport? Plage. À la plage. Je sais pas, transport c'est chaud. Mais à la plage aussi c'est chaud. Hein. Je sais pas, tu vas dans l'eau et après tu te changes en deux. Dans les transports. Dans le transport. Et pourquoi dans le transport? Je sais pas, comme ça. Il y aura des gens à côté, c'est pas gênant. Ouais, quoi que la mer c'est mieux, comme ça je rentre dedans, direct. À la plage. Et toi? Je sais pas. Toi tu poses des questions, mais pour répondre aux questions... C'est vrai que c'est chaud. Franchement moi, à la plage. À la plage? Ouais. Mais c'est chaud aussi. Ouais, mais à la plage, je me dis c'est bon, c'est comme les darons, je mets le sable et tout, Dégame verra frère, c'est bon.
Mais toutes les mêmes, elles répondent transport. Alors que dans les transports, c'est dur après de rentrer chez toi, je me dis. Dur. Tu vas dans l'eau, bam, tu nettoies et après tu vas dans. C'est tarpemienne, tu sais. Ils vont remarquer en fait dans l'eau, le sang et tout, ça va être. Non, c'est mieux parce qu'en fait, il y a un truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand t'as tes règles, tu t'astuces. Quand tu vas dans l'eau, et eh ben en fait le sang ne coule pas, donc c'est parfait. Donc là, les filles qui disent transport, je me pose des questions depuis tout à l'heure en fait. Ah mais non, t'es plus youtubeur. Voilà, c'est logique. Ouais, là je suis médecin, limite. Ah. Ouais, du coup, et toi? Moi je préfère à la plage aussi. À la plage? Oui. Pour quelle raison? Ben si t'es dans l'eau, genre tu peux nettoyer avec l'eau et tout. Si t'es dans le bus, ça va trop chauffer. Voilà. Tu dis comme si l'eau c'était chez toi en fait. Mais c'est à la plage quand même, il y a tout le monde qui se lave et tout. Mais il y a tout le monde, mais c'est mieux à la plage, ça peut être n'importe qui, personne cramera que c'est toi. Tandis que dans le bus on te voit vraiment. D'accord. Et dans les transports, si t'as un jean qui est clair et tout, ça va faire plus chauffer qu'à la plage. Ah, d'accord. En tout cas, je remercie les filles. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. C'était bien dégagé. Arrête. Quand t'introduis comme ça là, à Marseille, il faut faire doucement. À Paris, vous êtes trop speed. Paris, vous êtes là. What's up la famille? Ok, la team Morisou, bienvenue. Wesh la team, c'est Dadé Dakar. Wesh la meute, ça va quoi? Tu peux ranger ton téléphone s'il te plaît? Bien, salut à toutes, salut à tous. Alhamdoulilah. Bonne vidéo. Hey, 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 yo YouTube. Ah non, à Marseille c'est tranquille. Eh hey, les gars, comment Marseille, c'est Marseille, comment Marseille, c'est. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas, like, commente. On est ensemble. La personne yes. N'aime pas la vidéo. Comment elle va liker? Hey, comment ça t'aimes pas cette vidéo, mon gars? Si t'es là, c'est que t'aimes. Si t'es là, c'était déjà abonné. Donc, ne te pose pas de questions. Active la cloche même. Là, c'est la cloche dont on parle. Donc des games. On dit quoi pour la fin là? On dit quoi pour la fin? Très important. Allez voir sa chaîne. Elle fait des super délires. En tout cas, elle a de l'énergie. Elle a vraiment de l'énergie. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller voir ce que je fais, vous abonner, à me suivre, à suivre des Game Pro si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a peut-être des gens qui viennent et qui... Arrêtez ça, abonnez-vous, on est ensemble comme jamais. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez soin de nous la famille, on est ensemble. Yes.